ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, on va vous donner du coup le maillot d'entraînement. Il y a soit du 10-12 ans ou du 12-14 ans. Après, je me souviens plus trop des détails. 10-12, c'est vraiment petit quand même. Oui. Hop, qui n'en a pas eu, toi? Merci. De rien. Tiens. Merci. Les blancs, vous avez le ballon. Bah du coup, on a travaillé nos positionnements. On a la balle, on écarte. Et on n'a pas la balle, on défend en resserre. Resserre, exactement. Vous l'avez très bien fait, les gars. C'est bien, bravo. Je vais vous applaudir. On va récupérer un ballon pour deux et vous venez là dans 30 secondes. Let's go, c'est parti. Et là, tape dedans. Toutes tes forces. Allez, ouais, bien joué. Allez. Bien joué. Ouais. Bien joué, t'as tapé dans mon but. Super. Bon. C'est le plus ancien. Oui, mais elle a 2 ans de moins que toi, donc ça lui fait 5 points. Yeah. Yeah. Tape là. Voilà, c'est ça que je veux. Vous avez l'habitude. Je veux que vous accélériez. Je passe. Accélérer. Je veux que vous accélériez. Ça existe. Non, accélérer si vous voulez. Non, je veux que vous accélériez. Accélérer, oh là là. Ça existe, ça existe. Ça existe. Ils veulent pas. Ils veulent. Joli arrêt, encore une fois. J'aime bien comment tu serres les dents quand tu t'arrêtes les tiens. Elle est constipée. Ça c'est bien pour l'instant, le contrôle de balle, j'aime bien ce qui se passe. Ah oui, oh oui, avec le rebond, mais lui, grosse frappe. Voilà, c'est apparent. Célébration, célébration. Wow, Mbappé. Allez, fille. Vous pouvez continuer. Ça se passe bien. Toujours bien avec Raïm. Bon, ok, 4 x 6. 24. 8 x 8. 8 x 8, 4. Ah non, 64. Je suis une génie. 7 x 9. 7 x 9. Attends, je me suis ébloui les yeux. Ouais, mais. C'est ça, gagne 51. Du... gagne du temps, gagne du temps. 63. Ah, t'as fait la petite tête. Oui, non. Cette année, au sein de la Vince KFC Academy, il y aura un nouveau sponsor, ce sera Nerf, la marque de Blaster. Merci beaucoup déjà de nous soutenir, ça va être toujours très plaisir, ça nous permet toujours de faire vivre cette académie qui grandit de jour en jour avec les U12, U13, les U14 et les filles. Durant la saison, on fera des petits défis avec les Blaster Nerf, ça va permettre de développer la créativité, l'esprit d'équipe entre les petits de l'académie et on verra du coup s'ils se débrouillent bien avec ces jeux, ça va être très 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 drôle. Il y aura des challenges et des cadeaux aussi qu'on fera gagner, donc restez bien connectés. Encore une fois, un grand merci à Nerf, on est ensemble et c'est parti pour cette saison de l'académie 22-23. Let's go. Là, il faut que tu connaisses les 4 chapitres, là, c'est ça? Non, ça j'ai déjà appris, ça aussi. Ça je vais apprendre aujourd'hui et ça demain de morceau. Ok, bah vas-y, apprends-le et puis j'irai t'interroger après. Deux fois. J'ai pas pris mon carnet. Ok. On doit faire ça, c'est bon. Saint-Louis. Je me rappelle, on doit faire ça, c'est fini. C'est quoi? C'est Notre-Dame. C'est de l'anglais? Non, ouais. Toi t'es anglais toi, vas-y. Ouais, moi je peux. Assieds-toi, il y a une chaise ici. Moi je suis bilingue, je peux t'aider. Je suis bilingue. Quel bilingue? Je suis ghanéen. Les Ghanéens ils parlent anglais, vas-y je t'aide. Tu fais trop mal toi. C'est facile, les maths c'est trop facile, c'est ma vocation, c'est trop facile. Ah. Tu veux faire quoi plus tard? Je vais être footballeur. Ah, ça, c'est ta vocation donc les maths. Et si je réussis pas dans le football, je vais être professeur de mathématiques. Toi professeur de mathématiques. Attends, j'ai combien Il a dit j'ai combien alors qu'il sait très bien combien il a eu. Ah non, j'ai 19. Ça va. Mais sachant que là t'as mis la grenouille, mais tu dois mettre les autres aussi, tu vas mettre la libellule après. Et tu dois faire ça aussi après. La libellule, l'hirondelle, non c'est tout. Et lui tu vas le mettre aussi? Ah non, après c'est seulement la libellule. Libellule, hirondelle, grenouille. D'accord. J'ai histoire, géographie, contrôle, chapitre 1 et 2, note sur 20, coefficient 2. On se laisse à la fin de l'heure, je t'interroge dessus à la fin de l'heure, mais tu connais déjà, on va faire le reste en attendant. Okay. Ici, il y a deux chiffres entre une multiplication, je dois les multiplier et je dois réécrire les lettres. L'idée, c'est qu'à la fin, tu n'aies qu'un seul terme. Qu'est-ce qu'il y a? Je te filme. T'as quoi à faire, toi? J'ai une histoire, je vais faire. Ah, c'est le fameux truc avec le... Sur les empires chronologiques musulmans. Je te donne le bilan. Sur quoi? Tu veux sur l'empire chronologique musulman. Tu veux savoir écrire jusqu'à 30 en espagnol. Tu veux savoir parler espagnol? Non. Tu veux jouer au Real de Madrid? Tu veux jouer au Barça, tu fais comment? Tu veux jouer où? Je joue à Marseille. Manchester United. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un jumping park. Hein, je sais, je suis bilingue. Donc en fait, c'est simple, les gens vont venir et vont sauter. C'est-à-dire toute la journée, ils vont sauter. Mais en même temps, il y a des petits jeux. J'ai vu qu'il y avait des paniers de basket, des ballons de foot. On va voir, ils vont faire des retournées, ils vont s'amuser. Donc le but là, c'est vraiment qu'aujourd'hui, tout le monde se rencontre, tout le monde kiffe. J'ai 35 moi. 35, et lui, il a dit combien? Il y en a 33. Et il y en a 3 qui arrivent. T'as vu comment ça croit, comment ils savent pas compter? Il y a Abdel qui dit 33, lui il dit 35. Il faut être d'accord dans la vie, Romain.
Sur le point de vue règlement, quand on vous dit non, c'est non, quand on vous dit stop, c'est non, vous nous agacez pas, ça peut être bien, on passe une belle journée, on va bien rigoler. Et voilà, les filles, je le répète pour ceux qui ne le savaient pas, font partie du club, messieurs. Donc quand vous les croisez, quand on se retrouve ensemble, on dit bonjour. Je crois elle veut pas dire bonjour aux hommes. Et les filles, vous dites bonjour aussi. D'accord, donc voilà, on fait partie du même club. On a de quoi s'amuser, il y a quelqu'un qui va être là pour vous expliquer les règles, là il va y avoir un petit échauffement. Après vous allez pouvoir avoir du fun, mais par contre, je fais pas la police. On est là pour rigoler, est-ce qu'on est d'accord? Ok. Tu ne joues pas toi? Non. Non, mais ce que je constate, c'est qu'ils sont plus en train que lors des entraînements. Hein. Là, c'est top. Hein. Là, on veut des saltos, Adrien. Faut retomber sur les pieds. Faut qu'on montre votre meilleur salto. Là. Vas-y, vas-y. Vas-y, faut montrer. Vas-y. Une note sur 10. 6. 6 sur 10, comment elles sont gentilles avec toi? Je sais pas faire. Ah, mieux déjà, mieux. Mieux. Tu vas t'apprendre l'élan et tout, wow. Comment c'est une monteuse, elle m'a dit, elle savait faire. Ouais. Tu sais pas faire. Faut que tu dunkes là. C'est trop, ouais. Trop, moi je suis 2m50 ou quoi? Ouais. Hey, heureusement tu fais du foot toi hein. Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Je vais leur montrer un peu ce que c'est qu'un vrai basketteur. Ça a coupé au montage. Ah dommage Nassim. Ah, j'ai fait mieux que toi. Ouais, bien joué ça. Je vais tomber direct maintenant. Vas-y, c'est parti. 1, 2, 3, time. Attends, ça me stresse, il y a William. C'est parti. Oh, c'est timide là! Il m'a mis un coup de pouce là! Ah, faut que tu nous montres ton meilleur salto là! Mon meilleur salto! Ça a été, ça vous a plu? Oui! Ouais, c'était cool! T'as vu quelques petites figures là? Il y en a, ils se débrouillent, c'est bien! On est aujourd'hui au troisième match des U14 qui jouent maintenant en 11 contre 11. Enfin, c'est bizarre ça pour nous parce qu'en fait, moi, 11 contre 11, c'est les seniors dans le club. Avant, on avait les U12 qui jouaient à 8. C'est ça. Et là, on voit des petits adultes ça se former. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Ça va faire bizarre parce que moi, c'est la première fois que je vais les voir jouer parce que j'étais pas là aux deux premiers matchs. Eux, ils sont en championnat D4 la dernière. Bah, comme les seniors, ils repartent de tout en bas. Ils ont fait une victoire assez large et une défaite assez large aussi. Ah. Donc, comme d'habitude, hein, on répète comme l'année dernière les matchs. Oui, on va pas vous montrer comme avec les adultes, hein. on va pas montrer tous les buts parce que forcément ils sont jeunes et qu'on veut les laisser tranquilles, mais on va vous montrer quelques images, les va faire ça bien. Ouais, on compte sur vous pour être bienveillant avec les jeunes parce que bon, c'est pas pareil, les seniors des fois, bon, vous y allez un peu fort, on sait très bien, on voit les commentaires hein, des fois quand ils loupent des trucs un peu. Merci beaucoup à Nerf qui rejoint du coup l'académie, et surtout ce que je voulais dire c'est que Nerf en fait s'implique dans le foot amateur, notamment via Sport Easy. Oui. Parce que du coup Sport Easy, vous le savez, c'est l'application ouais, des connexions pour organiser tout ça. Et ben en fait Nerf travaille avec Sport Easy pour en fait aider des clubs amateurs, notamment 100 clubs en France qui sont sponsorisés par Nerf. Un peu plus d'efforts dans la passe, Iliès. Bien joué, Jawed. Alamadi, bien joué. Top! Jusqu'à la coupelle. Bien joué, top! On vous met un minimum de pression pour que vous soyez à fond. Pour que vous respectez les adversaires, le staff, ce qu'il y a autour et surtout vos coéquipiers. Niska, le président, il donne tout son temps, il donne toute son énergie. Raïm, j'en parle même pas. Romain, il en est malade, mais il vient quand même aujourd'hui. Vous voyez les choses qui sont mises en place pour vous? Oui. Et ben là, on vous demande juste de rendre sur ça. On vous demande juste de rendre un tout petit peu d'investissement de votre part. 80 minutes, 2 fois 40. C'était ça, mais un peu moins fort. Allez,
sur un côté, il reste sur un côté. La nappe, à la nappe. Bien joué, Jaouen. Bien joué, ça. Allez, Blanc. Allez. Bien joué, Jaouen. Très bien, ça. Allez, tout le monde avec lui. On les va détaler. Voilà, Charlie, allez. Reste ensemble, les gars. Allez, bien envoyé, super. Avec le bon. Avec le bon. Lâchez. Hylène, la cime, ça marche là. Avec le bon, sans jeter. Avec le bon, allez. Au centre. Ah, dommage, dommage, la cime. Bien joué, derrière son, à la chance, bien joué. Yes, on va aller jusqu'à là-bas, s'il te plaît. Yes. Bien joué, Noir. Continue, Noir, maintenant. Allez, Noah! Ah, c'est dur, les gars, faut que je puisse ça. Je pas. Centre direct. Je jette pas, Gilles. Super, ça. Super, super, bien essayé. Bien joué, Nassim. Bien joué, Hugo. C'est le terrain. On y va. C'est gagnant, c'est gagnant, c'est pour vous. Derrière toi, derrière toi. Prends la place à Madi. Là, c'est bien, c'est bien, là, c'est bien. Prends la place à Madi. Ça va, mon gars, c'est super. Ça va, allez, allez, out. Allez, 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 Gaspard, allez. Allez, faut venir, hein. Super. Ah ouais. Donc la première qualité qu'on doit avoir ensemble, avant de penser à marquer, avant de penser à être bien à son poste, à vouloir jouer attaquant, pas défenseur, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Savoir jouer ensemble. Bah oui, et donc avoir savoir jouer ensemble, c'est défendre ensemble. Vous devez montrer ça, on dirait que vous avez pas... Vous avez, si vous en prenez 20, c'est pas grave. C'est vrai ou pas? Bah si, c'est grave. Mais mettez de l'envie. Et s'il y a un coup à jouer offensivement, on fait quoi? Eh ben, on y va tous ensemble. On y croit tous ensemble. C'est pas, ah ben non, moi je viens de défendre, du coup j'y vais pas. Non. La différence entre avoir des manques au niveau tactique et ne pas courir, ça c'est pas excusable. La Dream, il vous parle, il vous demande de monter. Soit vous êtes déjà en attaque, soit vous êtes en train de le faire répéter parce que vous marchez. Collectivement, les gars. Si moi je le fais pour Haroun, Haroun le fera pour moi. Si je le fais pour Yanis, Yanis il le fera pour moi. Donc chacun le fait pour les autres et ça va revenir pour vous. Gaspard, attaque ta balle, gros. Ouais, balle pour revenir, hein. Jaouen, s'il te plaît, Jaouen, s'il te plaît. Haroun, s'il te plaît. Oui, Bilal, viens parler, mon grand. Allez, avance, c'est toi qui vas l'avoir. Bien joué, les blancs, excellent. Excellent. Sans les mains, monsieur l'arbitre. Avantage. Il me répond avantage en plus, il joue de moi. Voilà. Enfin. Non mais merde. Bien joué. Vers l'avant, vers l'avant. Oh. Bien essayé, Nassim, allez. Si on fait un bilan du match, on prend 3 buts à la deuxième mi-temps. Pour certains, ça peut être beaucoup. Pour nous, c'est déjà beaucoup mieux qu'à la première. On a vu que sur 2 matchs, on arrive à hausser notre niveau quand on comprend mieux les consignes. Tout ce qui était devant, Amadi, Bilal, Othman, Yanis, Nassim. Tout le monde a fait les efforts pour revenir, même si c'était pas dans sa zone à défendre. Ils sont pas meilleurs que vous, hein. C'est juste qu'à mon avis, ils s'entraînent depuis longtemps ensemble, ils travaillent tous ensemble, et vous, c'est ce que vous devez faire. Et comme j'ai dit la semaine dernière, quand on est une nouvelle équipe, c'est normal qu'on prenne des tollés. Ouais, j'ai déjà pris des 11-0 dans ma vie, on en a déjà pris. Sur 11 contre 11 en plus. Les premières minutes, c'est très important de se donner à fond. Parce que si vous ne donnez pas à fond, de toute façon, si eux, ils le font, c'est terminé. Après, vous allez petit à petit rentrer dans le match. En seconde mi-temps, c'était mieux. Mais souvenez-vous qu'à chaque fois que vous commencez quelque chose, une mi-temps, etc., première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est toujours difficile. Ah, on s'applaudit, on s'encourage, on avance.
Et par contre, on écoute à l'entraînement, on continue comme ça. Allez les gars.